Alors, Amendil, tu vas nous présenter quoi? Des tchals de crypto. Ah, encore du crypto ici, nom de Dieu. Mais du crypto que j'ai été capable de faire, donc du crypto simple. Alors, est-ce que Xor, ça fait partie... Et chute. Alors, hop, top, top. Alors, c'est parti. Par contre, si tu sais augmenter la taille du texte. Bien sûr. Ah, oh, magnifique, c'est de toute beauté ça. On peut s'organiser. Alors, raconte, c'était quoi le délire de ce Alors. châle? Alors. Le délire du tchal est de nous dire. Enfin, en fait, tu as deux fichiers concrètement. Tu as main.rs et out.txt. Ok. Et tu sais que tu es sur un truc de crypto. Ok, Donc, tu as ça et tu te dis, bon, bah c'était un voilà. châle dans Il... la section crypto, c'est ça? Tout à Ah fait. oui, je vois crypto underscore, oui, c'est ça. Ok. Ouais. Combien C'est d'étoiles? littéralement juste de la crypto, une étoile celui-là. Une étoile, ok, ça va. Je vais faire celui-là et sa suite en V2 parce qu'elle est. Parce qu'il est sur la même lignée. Yep, ok. Merci Noob pour ton flow. Donc. En fait, on arrive là-dessus. La fonction main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lire un fichier flag. Elle appelle une fonction rang XOR qui fait effectivement un XOR quelque part. Et de print d'ailleurs ce que ça fait. Et en plus de le printer, elle se dit, bon bah voilà, je vais te l'écrire dans le fichier out.txt. Donc ce que j'ai là, c'est le flag qui a été XOR. Ce qu'il faut savoir avec le XOR, c'est que si on l'applique une deuxième fois, en fait, hop. Je vais avoir un truc comme ça. Déjà, juste qu'est-ce que c'est que le XOR? Commencer par ça. On va dire que j'ai un fichier binaire. Voilà, j'ai ces deux binaires là. Et j'essaie de l'XOR. Le but du XOR, ça va être de dire c'est un OU exclusif. Il faut que l'un des deux soit à 1 et l'autre à 0 si mon résultat vaut 1. Par exemple, le premier cas, j'ai 0 et 0. Donc, il n'y en a aucun à 1, ça me fera 0. Ensuite, j'ai 1 et 0, le premier est à 1. Donc ça va me faire 1. On retombe avec le 0, 0, donc ça va faire 0. 1 et 0 ou exclusif, on refait un 1. 0 et 1, encore une fois, il y en a un seul qui vaut 1. Cette fois, j'ai 1 et 1. Alors même si je suis sur un OU, on a dit, il faut seulement qu'il y en ait un qui soit la valeur 1. Donc ça va valoir 0. Et du coup, après, ça va faire 1 et 0. Et ce qui est rigolo avec ça, c'est que si on se dit, je prends ce résultat-là, et je refais un XOR avec la même chose. 0 et 0, ça va me donner 0. 1 et 0, ça fait 1. 0, 1. 1 et 1, ça va faire 0. 0, 1, 1. 0 et 1. Et là, qu'est-ce qui se passe? On retombe sur la première chose. Sur la première valeur qu'on avait. Et pareil, si on s'était dit, je prends le résultat qui est ici, et que je prends l'autre input, je fais mon XOR. 0 et 0, ça fait 0. 1 et 1, ça va faire 0. 0, 0. Et ensuite, à chaque fois, ils sont différents. Donc ça va me faire des 1. Et on retombe sur l'autre input. Ça, c'est une des propriétés du XOR, c'est que voilà, si on l'applique deux fois, on retombe sur ce qu'on avait à l'origine. Merci SkyCell pour ton flow. Donc. Là, on sait, voilà, il a fait un XOR, on aimerait pouvoir le reproduire. Comme ça, on retomberait. En fait, si on réapplique le XOR, mais sur out, au lieu de flag, logiquement, on retombe sur le flag. C'est vrai que je ne l'ai même pas résolu comme ça.
En fait, ça aurait pu être un peu plus simple. Attends, je vais juste faire un test. Hop. Voilà, attendant. Et du coup, bah ouais, merci Skyse pour ton follow et bienvenue. Et bah ouais, c'est. Alors, je pense que sur Twitch, effectivement, c'est assez rare de voir des lives de cybersécurité. Bah ici, moi, c'est. Enfin, avant que ce soit mon job, c'est ma passion. Et donc, ben, tous les dimanches, à partir de midi, je fais un live cybersécurité. Aujourd'hui, on parle principalement en fait, des challenges qu'on a fait lors d'un CTF qui était le CTF de Cyber Apocalypse, organisé par Hack the Box, dont toute l'équipe a participé cette semaine. Et donc, on est en train de revoir un peu les châles, les write-ups, ce genre de choses. Est-ce que ça fait longtemps que je stream? Non, pas du tout. Ça fait 2 mois, 3 mois, 2 mois, 2 mois, un truc comme ça que je stream, pas plus. Donc c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de Ah, mais followers. je suis nul. Non mais c'est vachement chouette, c'est vachement chouette. Je Il y a suis une une grosse, population de franchement, bots. il y a une grosse communauté qui est en train de se former. Et donc on est aussi pas mal sur Discord. Il y a les VOD qui sont aussi disponibles sur YouTube. Et donc voilà. Et là c'est Amandil qui est en train de présenter un des châles Et de faire de la merde. de la crypto et voilà. Et donc moi je suis en train en fait de combler parce que je sens qu'il est en PLS, il se dit oh merde, il regarde tous mon écran, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, faut pas que je fasse de la merde. Là, j'ai fait de la merde, j'ai fait CP du truc de base dans la sandbox sur laquelle j'avais mes résultats. Donc en fait, l'une des difficultés du chat, en fait, c'est que le point RS, c'est donc ce que je montrais juste avant, hop, côte à côte, c'est du Rust. Et le Rust n'est pas un langage sur lequel on a l'habitude forcément de travailler. Je Est-ce que n'ai le jamais fait Rust de c'est Rust de ma un vie. langage qui est récent? Oui, enfin, récent. C'est créé par Mozilla. Ah oui. Donc ça fait un petit moment qu'ils l'ont fait. Maintenant, ça a commencé à être repris. T'as mis une sorte de fondation dans laquelle Amazon s'est fortement lancé. Ah. Ils ont annoncé qu'ils lançaient une équipe qui allait aider au développement de Rust, d'ailleurs. Ah oui, ok, carrément. Donc voilà, ils y vont à fond. L'un des principes de Rust, c'est d'être à fond dans la sécurité. Je connais pas du coup ce qu'il y a derrière le langage qui le permet, mais t'as beaucoup plus la main et le contrôle sur ce qui se passe. Donc en fait, les gens ont tendance à dire c'est assez similaire à du C ou du C++, mais il y a quand même une certaine couche d'abstraction, j'imagine, qui fait que quand tu fais des opérations, le truc est un petit peu plus funky, un peu plus sécurisé. Voilà, je sais que dans ma boîte, c'est un truc sur lequel on commence à regarder aussi, pour certains composants qu'on écrit. Donc le Rust, c'est un langage qui est compilé, à l'inverse de Python. Et le premier truc, c'est de se dire, comment est-ce que je le compile, comment est-ce que je lance du Rust? Donc là, au début, j'ai un petit peu galéré d'ailleurs là-dessus. J'ai compris que ils ont un truc qui s'appelle Cargo pour gérer les dépendances. C'est un peu l'équivalent de pip en Python. Ouais, je pense, ouais. Est-ce que c'est un langage de haut niveau Complètement. le Rust? Rust. Bah si je le compare à du C, C++, je dirais plutôt bas niveau. Ok. Donc, a priori, enfin, parce que ça je l'ai récupéré d'internet, j'ai juste changé l'adresse mail pour un truc un fucked up. J'avais ça, j'avais pas l'édition. Et dependencies, du coup, j'ai rajouté rendre. Que je n'avais pas mis en 0.8.3 au début, j'avais mis 0.4 ou 0.5 quelque chose. Parce que j'avais une erreur qui me disait, vas-y, mets ça. Eh bien, d'une part, ça ne marchait pas. Enfin, non. 0.5, ça marchait. Sauf que juste après, le cargo n'arrivait pas à le compiler. Attends, je vais juste chercher. Je pense que dans Soulcraver, j'ai mis la commande pour le lancer. Je n'ai pas mis. Bon, on va le refaire.
On va le refaire ensemble. Compile, Rust, cargo. Cargo build. Voilà. Alors. Alors. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? No target specified in the manifest. Ah, oui, tout à fait. Étant donné que je n'ai pas voulu me faire chier dans le manifeste à devoir trouver où est-ce qu'on écrivait le script, j'ai écrit le dossier SRC parce qu'il cherche le main.rs dans le dossier RSRC. Hop. Dans SRC. Hop. Et on fait un cargo build. Oh. C'est la solution à tous les problèmes, ça. C'est magnifique. Oh là là. Je comprends pourquoi je reste sur des choses que je connais. Voilà, et donc là on a le point target, et en fait donc dans le target, hop, il y a, alors ce que j'ai fait à la base c'est que je suis allé, c'est target, j'ai fait un tri pour regarder ce qu'il y avait dedans, et en regardant ce qu'il y a dedans je vois, ok j'ai un build, j'ai mes dépendances, j'ai un exemple, incrémental, et j'ai guessing game. Et guessing game, hop, si on regarde dans mon tunnel, c'est ce que j'ai écrit là. Donc, ok. Donc, je vais sortir de target, target debug guessing game. Message file or directory. Pourquoi? Parce qu'il cherche un flag. Je vais lui créer un petit flag. CHTB. Calculade. Hop. Et on lance. Il a besoin d'autre chose? Parce que c'est. Alors. Voilà. Donc là, si on revient sur le main, il a lu le flag.txt, il a fait un XOR, il a print le résultat et il l'a aussi mis dans out.txt. Et donc, la manière dont il fonctionne, si on regarde juste le XOR, c'est qu'il va prendre caractère par caractère, il va le transformer en uint8, donc en gros il va prendre sa valeur hexa, ici, et il va faire le XOR. Et donc ça veut dire que tout caractère a été mis en deux valeurs hexa. On voit d'ailleurs ici. Donc si on prend le vrai out.txt, qui est celui que je viens de poser. Non, celui-là c'est le vrai. Il est à l'extérieur de ce slide. Ça veut dire que 1B, c'est la première valeur qui a été reçue. 59, c'est la deuxième. 14, la troisième, etc. Donc en fait, déjà, ça nous permet de savoir quelle est la longueur du flag, sur le principe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que là, mon flag, j'ai dit qu'il commençait par CHTB. Un B, c'est le C. Ici, quand il l'a fait, il m'a aussi dit, c'est bon, je t'ai trouvé le C. Donc ça, c'est bon. 59, 14, etc. Donc là, j'ai trouvé les bonnes valeurs qui me permettent de faire le... Enfin, ça me confirme le flag. Ah, merci Wade pour ton sub, c'est vraiment sympa, merci à toi. Voilà, et moi donc l'idée que je me suis dit à partir de là, juste un point que j'ai sauté, sur lequel je m'étais cassé la tête, dans le cargo.toml, ouais, si on va le regarder là, j'ai dû mettre édition 2018. Parce qu'en fait, le langage a deux versions, la 2015 et la 2018. Et comme tout, pour gérer la rétrocompatibilité, ils ont dit, si tu veux vraiment être en 2018, tu dois le dire.
Sinon, on considère qu'on compile tout en 2015 et le fichier fourni par Axebox est en 2018. Ah. J'ai pas trop, voilà. Pareil, le rand au début, je l'avais mis en 0.5.0. En 0.5.0, j'avais pas un truc qui commençait par 1B. Du coup, c'était pas logique. Je savais que ça devait commencer par 1B5.9.14.84 pour faire CHTB. Et donc, en fait, j'ai testé d'autres versions et c'est en prenant la dernière version que j'ai vu que ça me donnait le bon flag. Donc, ouais, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que le pseudo number generator qui est là a été changé entre différentes versions de la librairie. Ah, ah. C'est surtout ça. Donc, peut-être qu'en fait, avant, il y avait une faille qui a été détectée et ils l'ont mis à jour. Certaines. Pour renforcer un peu la sécurité. Donc, bon, au final. Au moins, tant que ça marche avec la dernière version, c'est bon. pour un shell, ça me va. Et là, ce que je me dis, en fait, pour faire plus simple que ce que j'ai fait, test live, si je prends le out.txt, et que je le mets dans le flag.txt, en vrai, je le lance... Alors oui, en fait, ici, ça va marcher si je le rappelle. La manière dont je l'avais fait, c'était de faire un rm.rev de target, refaire le build, et du coup, après, je sais que le fichier, il est dans target, debug, et on l'avait appelé guessing game. Pourquoi je fais ça, comme commande, c'est que si je modifie le script pour une raison X ou Y, ça va permettre de le relancer. Enfin, ça va permettre de le détruire ce qui a été compilé, recompiler et le lancer. Ah ouais, okay. Comme ça, je suis sûr qu'en fait, je suis toujours bon sur ce que j'exécute. Voilà, je voudrais pas de truc. Je crois que si je fais ça, en fait, il va me donner le flag. Sérieux? Je pense, ouais. Ah non, 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 c'est bon. Ouf. C'est bon. C'est bon parce ouf, qu'en fait, ouf, il y a encore une étape en plus. Non, c'est que le out.txt, en fait, qui m'a donné. Effectivement, si je le re-exorce, c'est suffisant. Mais là, on a dit qu'on prenait caractère par caractère. Le C, on n'est pas en train de le relire depuis son exa. Tu vois ce que je veux dire? Le... Le flag.txt 1B. En fait, il prend pas 1B en se disant c'est un caractère. Et je le re-exorce. Il prend 1. Il reprend la valeur ASCII de 1, il la met en hexa, et ah, il hexa. Ah oui, ok. C'est ça le truc. Ok, je comprends. Et c'est pour ça que ce que je viens de faire ne fonctionne pas. Ok, et bon, ça me rassure. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que là, ils ont mis une seed qui est hard-codée. Donc en fait, le nombre, le pseudo number generator, le RNG, il va toujours me ressortir les mêmes nombres. Toujours. Parce qu'il part de la seed, et à partir de la seed, il dit, bah voilà, le prochain, c'est lui. Puis lui, et tout se passe bien. Et donc si tu le relances avec la même seed, il va toujours te redonner les mêmes nombres. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe si je n'exor rien? Et je lui dis, hé, donne-moi tes valeurs, s'il te plaît. Sois cool. Donc on fait ça, on le relance. Et là, il me donne... Alors... Ah, j'ai pas modifié le bon, pardon. C'est celui qui m'a test live src main.rs qu'il faut modifier. Voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'est que plutôt que de faire un XOR avec le ce qui est en input dans le flag, je lui dis juste, donne-moi les valeurs du RNG. Mm-hmm. Et moi, ce que j'ai, c'est que j'ai déjà le out. Là. Vraiment ça? Ça c'est ta clé alors, ce que tu as là. Ouais, ça c'est le RNG. Ouais, peut-être un peu long. Si je fais un cat.out.txt. Ouais, c'est ça. Ah! Pardon. En soi c'est bon, c'est juste que... Hop. Et j'ai mis trop de caractères dans le flag.txt. Du coup, en fait, il le lit quand même caractère par caractère.
Et donc il me génère un nombre par caractère en input. Ok. Sauf que comme j'ai mis trop de caractères, bah, il me génère trop de nombres. Il faut juste que je m'arrête au bon endroit. Voilà. On va sur notre ami CyberChef. Hop, on a cet input. Il le fait comme ça le... Oui. Prenant la clé. Hop. En soi, on se fiche de l'ordre. Et ouais, il me donne pas un truc en hexa. C'est ça qui m'ennuie. Si, si, tu peux faire 2x. Ah. Parfait. Et tu peux faire le diminuteur non si les espaces te fait chier. Et il me permet du coup de le remettre en caractère ASCII, j'imagine. Il arrive à comprendre les espaces. From X. Mais le 2x et from X, ça revient même, vu que le caractère ASCII, c'est ce que tu avais juste avant. En fait, le XOR, il te l'affiche directement en caractère ASCII dans l'output. Alors, je vais juste regarder ce qu'on avait si mis. Si ça, c'est censé être ton flag, alors c'est pas le bon. Alors... C'est quoi ce que j'ai 4 ? Que j'ai 4 le 1B. Il y a moyen que le 1B ne soit pas. Attends. Ouais. Pas sûr du 1B. Alors, je vais juste l'essayer. Donc là, j'ai ça. Ah, j'ai pas noté le input. Je dis ça parce qu'en fait, hop, je prends ça et je vire ça. Ça donne quoi ça en... si tu. From X. Ça c'est censé être ce que j'ai reçu en exa. Mm-hmm. Ouais. Ah bah ok. C'est le truc. J'ai dû casser l'input. Allez, on recommence tout depuis le début. Alors, bah, post, qu'est-ce que c'est ? Ah, pardon. J'ai un out.txt.back, j'ai été intelligent. J'ai back. J'ai back input. J'ai back input. J'ai bien le 1B. Par contre, le RNG me donnait 95. Que je trouve un peu étrange. Mais quand il te donnait 95, c'était parce que tu étais sur l'ancienne version de Rust ? Il y a moyen. Il y a moyen. L'ancienne version. Bon, au cas où. J'avais utilisé ce truc-là. Voilà. Pour le 1B, voilà. On a dit que la clé... 58. Et il nous sort 43, etc. Donc là, on revient ici, on le XOR et c'est bon. Donc non, bizarrement, je crois que la clé en hex ou quelque chose, il y a un truc qui s'est mal passé. On va dire que je ne sais pas utiliser le XOR ici. Je sais pas. Bon. Et voilà. Donc en fait, ce qu'on a fait au final dans ce chal. Hop. C'est que comme on a juste dit, donne-moi les valeurs du pseudo RNG et je vais refaire le XOR à la main. Mmh. Voilà. En soi, c'était d'une simplicité enfantine une fois qu'on a compris comment fonctionne le langage. Bah, je pense et que... comment on build le langage. Mais ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est ça qui pose problème sur certains châles. C'est pas tant la complexité de la logique derrière, parce que finalement, ici, c'est juste reverse un XOR, ça va. C'est basique. Mais c'est vraiment de rien de comprendre, ok, comment est-ce qu'on compile un Rust, machin, ceci, cela, c'est quoi le Rust, comment est-ce qu'on lit le langage, où se trouve la vulnérabilité s'il y en a une, comprendre ce qui a fait le code, des choses comme ça. Et je trouve rien que ça,
Ça rend forcément le châle plus compliqué. Pour les personnes qui forcément n'ont jamais touché Rust, par exemple.